Bonjour, je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez installer le logiciel qui va nous être utile pour travailler sur le réseau. Ce logiciel s'appelle Filius. Alors je l'écris, Filius. Il est super, il n'a qu'un seul petit défaut, c'est qu'il est en allemand. Alors moi personnellement, j'ai jamais fait d'allemand et ça ne m'a pas dérangé pour le trouver, le télécharger et l'installer. Voilà, mais par contre, il faut être assez vigilant. Il faut absolument réussir à l'installer en français. Et à un moment donné, il propose la langue d'installation. Donc voilà, il faut être vigilant quant à l'installation. Alors regardez, j'ai tapé, je le mets en plus grand, j'ai tapé Filius téléchargement. Et donc en fait, de mémoire, c'est celui-là. Alors voilà, donc c'est bien. On fait de la pluridisciplinarité, vous faites donc de l'allemand. Le téléchargement est ici. Donc il y a un lien pour Windows, un lien pour Linux et un zip. Alors moi, sur ma machine, j'ai utilisé le lien pour Windows. On a un setup, etc. On suit l'installation. Au moment de l'installation, on est très très vigilant sur la langue d'installation. Parce qu'en plus, il est assez délicat à désinstaller si on s'est trompé sur la langue. Il y a une deuxième façon de faire que j'ai testé par rapport aux ordinateurs du lycée, c'est vous avez un zip. L'avantage du zip, c'est qu'il demande de mémoire au moins la langue, mais il ne demande pas vraiment une installation. Donc voilà, en fonction des deux, vous pouvez tester les deux, vous installez ce logiciel. Alors je vais le lancer sur ma machine. Il est vraiment super. Voilà, une fois lancé, ça doit ressembler à ça. Alors attendez, je le rapatrie, j'ai un deuxième écran. Je le rapatrie, vous voyez, ça doit ressembler à ça. Là, vous avez déjà un TP de réalisé. D'ailleurs, c'est certainement une image d'écran qu'on a utilisée pour réaliser votre TP. Ah, mais de mémoire, il va falloir que je le retravaille. Mais voilà, on attaque sur quelque chose de vide. Je vais vous faire une vidéo exprès pour l'utilisation de Filius de base. Il y a ici deux éléments à bien comprendre. Il y a un mode création et en gros il y a un mode utilisation. Bon, il n'est pas super super joli. Il paraît un peu ancien, mais il est très très efficace et il marche très très bien. Il est très très bien fait. D'ailleurs, ça devient un standard. Il est utilisé partout en France maintenant, depuis à peu près 2 ans. Voilà, fin de cette vidéo d'installation. Donc, Filius. Logiciel en allemand. Je vous remonte la page. Merci. À bientôt.